my God! They came out of nowhere! There was a huge earthquake, and then there was burning in my yard! Didn't you hear about it? It's all over the news! Here, look! And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick! And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base! You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom, and we shall lay waste to the drow elves once and for all! Fucking cheaters. Allons voir les gothiques, si c'est ça. Non, mais non. J'aime pas comment. Vraiment des enfoirés, petit con nous. Est-ce qu'on peut tirer sur les gens? Headshot. Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. We're simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's going to open in a few weeks. Thank you. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Nice. Isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Mark? D'accord. Sweetie? On est vraiment un enfoiré, on dépouille le cadavre. Technique, est-ce que... Sorry, absolutely nobody allowed past. Check back in a few weeks, thank you. Je pensais que Kenny aurait pu draguer. Ils sont deux. Putain, ils font mal. Bon, on va en mettre KO 1. On va réutiliser la magie. On va utiliser la licorne. Mais casse ton enculé, va. Thank you.
On est trop fort. Franchement, au début, je disais que la princesse Kenny, elle était pas tip top, mais en fin de compte, elle envoie du lourd. Par contre, je crois que je suis en train de me perdre dans cette forêt, moi. Je suis en train d'un peu de tourner en rond, non? Ouais. Ouf, j'ai mis une esquive. Bon, allez. Allons à l'école. Ils sont derrière. New kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play dungeons and douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Ok, non conformiste. Bon, je vous propose d'aller trouver Jésus pour cet épisode. On va essayer de trouver Jésus. Can you keep a secret? Neither can I. Get her! You better keep walking. Jésus s'est caché, mais où s'est-il caché? Il doit forcément y avoir un truc. Ça se trouve, il s'est caché au même endroit. Je vois pas pourquoi on a une quête ici si y a rien. Un qui s'est caché derrière un buisson. Coucou. Well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. You can call me once per day with this, but I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Vous avez trouvé Jésus. Yes, on pourra invoquer Jésus lors de nos prochains duels. Alors, aptitude. Cette technique, elle est pas mal. On va augmenter aussi. Pour l'instant, on a toujours cadeau disponible. Ah! Vous subissez moins de dégâts lorsque vous êtes salement manché lors de la provocation inflige des dégâts. Les attaques de votre arme à distance infligent des dégâts supplémentaires. Bah oui, on a des points et je les utilise jamais. Chaque fois que vous exécutez une attaque magique, votre...
Pyromane inflige des dégâts aux ennemis en flamme et subissent moins de dégâts de leur part. Les potions de réanimation utilisées sur vos potes ou sur vous-même remettent la cible sur pied. Vos PP augmentent de 20%. Les attaques de votre arme corps à corps infligent des dégâts supplémentaires. Infliger des dégâts à cible étourdie. Les altérations qui vous handicapent durent autant de moins que la normale. Voilà, on va acheter ça. Chaque fois que vous exécutez une attaque magique ou votre PP, vous ouvrez des PP. Voilà. Si c'est quoi, non conformiste. Ok. D'accord, et ici c'est quoi? Trouver un paquet de clopes quelque part. Ok. Donc je vous propose de faire la quête non conformiste. Et après, on se barre. Pour cet épisode, ça suffira. Hé hé, je vais plus vite que toi. Donnez-moi vos clopes, on the bitch. Et bah, on va pouvoir invoquer Jésus. Si, si. Jésus, il envoie du lourd, quoi. Les mecs, ils ont même pas eu le temps de faire une attaque, ils étaient déjà KO. C'est la puissance du Christ, mes amis. Bon, vous... taisez-vous, on n'a pas que ça à faire, nous. Ah. Ah, j'ai une idée, attendez. Brocomique. Skeeter really cleaned up that bar. Alors maintenant, où allons-nous? Regardons la mini-carte. Boire du café assez gothique. Ok, voilà, c'est la suite, on continue. Ça va aller plus vite que marcher, les mecs. Je sais plus ce qu'il faut acheter, donc... quête. Acheter une... Attends, bah on va voir ce qu'on peut faire. Acheter la tenue gothique. Acheter une paire de gants gothiques. D'accord. Give you a good price. Perruque émo, ça je crois que j'ai déjà, donc pas la peine. Équipement, costume gothique. Acheter, gant gothique. Acheter, et on va acheter le chapeau aussi. Hein. Tant qu'à faire. Non, on va se les faire ces deux là-bas. Et mais on va se faire en mode gothique.
Maintenant, on modifie. On va rajouter. C'était quoi? Équiper. Toujours s'équiper, comme ça on augmente notre puissance. Coucou les noobs. Alors, aptitude. Les animaux, j'aime bien. Boum, raz-de-marée de souris. Au revoir. Combat de plus en plus facile, je trouve. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est le mec mort. Maintenant, on a accès à cette zone en plus. Ça, c'est cool. Je crois qu'on a ouvert le portail. Ouais. Attendez, celui-ci s'ouvre. On n'a pas la clé. On n'a pas la clé non plus. Mais on a la clé de celui-ci. You have tripped about a chaos alarm, and now the earth shall be destroyed in 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lights and electrical equipment you see are on and will never be turned off. Draining the Earth's entire power supply and plunging humanity into a deep cold darkness. Without lights or heat or computers or power, humans will be left to fend for themselves against the beasts and the elements. Humanity be damned! D'accord. Dougie spoke to you and says you'd make a worthy ally. Il se demande qui est Mysterion. Mysterion, mais où est-ce qu'il habite? Moi je sais qui est Mysterion. Ah, il y a un chimpo, come on! Bon, pour le moment, il n'y a plus rien à faire ici, j'ai l'impression. Donc autant partir. C'était très bien chez toi. Non, y a rien là. Allez, partons d'ici. Non, merci, t'aimer. Alors là, j'ai une idée, on va utiliser. Bon, pas grave.
Which of our local coffees would you like to... Oh, c'est ça qu'il fallait acheter? Ouais. Là voilà. On a tout, on a tout. Bon, vous voulez vous fight? Vous êtes 4 contre 2 en plus. New kid, the Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight, but I warn you. Fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time and you might as well skip it and just come with us. Vas-y, je vous accompagne. You chose wisely, new kid. Come with us. On va voir où est-ce que nous mène. Your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter Raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carmen's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. I am sending our best ranger to help guide you. The bard is also at your disposal now. J'espère cet épisode vous aura plu. Allez, tchuss.